Dans un entretien récent, la compositrice italienne Clara Janota déclarait que pendant son enfance, elle aimait construire elle-même ses jouets, avec les matériaux qu'elle avait sous la main. Et là, tout de suite, vous me direz, mais quel rapport avec la musique ? Rassurez-vous, on y vient. Inconsciemment, cette enfance, tout en imagination et invention au service d'un savoir-faire pratique, a eu une grande influence sur sa vision de la composition. Clara Janota part toujours de ce qu'elle a dans la tête et cherche alors à le traduire musicalement avec le matériel en présence. Plutôt que de partir d'un instrument et de ses possibilités, la compositrice cherche à trouver avec cet instrument le moyen de transposer son imaginaire, souvent nourri de poésie. C'est sans doute pourquoi ses œuvres étonnent autant qu'elles captivent. Pour apprécier la musique de Clara Janota, il faut accepter de perdre ses repères et se laisser embarquer dans son univers de création. On est obligé de regarder ma musique pour comprendre comment elle est produite par les instruments, comme elle dit elle-même. Mais nul besoin de savoir comment elle est produite pour l'apprécier et découvrir tout un monde de sonorités inouïes.